c'est surcoté, c'est même c'est pas assez. Le pire personnage, la personne la plus détestable, la plus hautaine, la plus méprisante, la plus sûre d'elle, la plus menteuse qui soit passée et avec à qui j'ai eu affaire pendant ces années où j'ai couvert, depuis que je couvre l'OM. Sampaoli pour moi est coté à sa juste valeur, il n'est ni sous-coté ni sur-coté, il a fait des choses assez exceptionnelles cette saison, il s'est trompé parfois, il a réussi quand même à changer ses plans, à les modifier en cours de route, il n'est pas borné, il ne va pas droit dans le mur tête baissée, donc pour ça c'est bien, mais il lui reste encore à bien manager ses hommes, je vais dire, et à pas en mettre certains sur le côté alors que on sait tous qu'ils ont le niveau pour jouer en équipe première. Bouba Camara pour moi est sous-coté par rapport à son prix, évidemment il est parti libre, mais il a fait un choix de carrière qu'on peut qualifier de grotesque si on juge comme ça avec le cœur, en se disant pourquoi il prolonge pas à l'OM, pourquoi il devient pas capitaine de l'OM, pourquoi il reste pas alors qu'il a grandement contribué à la qualification de l'OM en Ligue des Champions. Après lui il va là-bas pour se faire remarquer en première ligue, il va là-bas pour toucher 4 à 5 fois ce qu'il gagnait à l'OM. Je trouve son choix un peu désolant, décevant. Il n'empêche que ça reste un excellent joueur. S'il n'avait pas été là cette saison, je pense que l'OM ne serait pas qualifié en Ligue des Champions parce que chaque fois qu'il est sur le terrain, il rend les autres meilleurs. Alors, il ne marque pas de but, il ne fait pas de passe décisive, mais il est discret et les autres à côté sont meilleurs quand il est là, donc j'irai sous-côté. Difficile, je dirais que Pablo Longoria est peut-être sous-côté. On n'a pas encore vu tout ce qu'il sait faire en matière de transfert, parce que j'aimerais bien le voir avec un peu d'argent, savoir ce qu'il serait capable de faire avec un peu d'argent. À ce niveau-là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un président aussi à l'aise sur le front des transferts, donc sous-côté sur ce plan-là. En revanche, il va falloir qu'il s'imprègne de la posture de président avec Marseille, avec tout ce qui est hors football. Alors, je vais pas me faire que des amis, je vais dire côté à sa juste valeur. J'aurais pu dire sous-côté, mais j'irai côté à sa juste valeur parce que je trouve quand même que l'ambiance a été exceptionnelle cette saison. Il n'y a rien à redire sur les matchs et tout, mais je trouve quand même qu'il va falloir que certains prennent en considération que lorsqu'on va au stade, on n'est pas obligé de marcher au milieu des pétards, on n'est pas obligé d'avoir les oreilles qui explosent quand on passe devant le parvis Jean Bouin, que tous ces fumis avant les matchs, ça commence à devenir un peu pénible pour beaucoup de supporters. C'est bon, quoi, il y a des fumis dans le stade, c'est parfait, mais avant les matchs, on peut aussi apprécier de se balader autour du stade tranquillement sans qu'il y ait des pétards qui nous explosent dans les pieds. Il y a eu beaucoup trop d'incidents à mon goût cette saison. Quand je vois que contre Strasbourg, pendant la fête, c'est la fête, l'OM est qualifié en Ligue des Champions, on se balade sur le rond-point du Prado et je vois des mecs qui caillassent les flics, bon ok, alors les flics qui gazent, enfin voilà, je dirais côté à sa juste valeur, c'est un stade exceptionnel et tout, mais il faudrait qu'à l'avenir certaines personnes qui viennent au stade prennent conscience qu'on n'est pas là pour foutre le bordel, on est surtout là pour encourager l'OM. Si je dis Marcelo Bielsa sur-côté, je vais me faire insulter. Si je dis sous-côté, c'est pas vrai. Donc je dirais côté à sa juste valeur. Par rapport à ce qu'il a fait à l'OM, je dirais sur-côté. Par rapport à ce qu'il a fait à Leeds, je dirais sous-côté. Voilà, à Leeds, il a été royal. À Marseille, il a fait ce qu'on attendait de lui. Il n'a pas qualifié l'OM en Ligue des Champions, mais on peut toujours rappeler qu'il y a eu des décisions arbitrales largement contestables. Il a ramené la passion, donc voilà, je dirais côté à sa juste valeur. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Moi personnellement ça m'a déçu, la façon dont il est parti m'a extrêmement déçu parce qu'il fallait partir avant. Soit tu pars avant, soit tu fais au moins ta moitié de saison, quoi. Donc voilà, côté à sa juste valeur ça suffira. Milik pour moi est sous-côté, le Milik à l'OM est sous-côté, mal utilisé. Quand on a un attaquant comme ça dans un effectif, on doit jouer pour lui ou on doit tout du moins jouer avec lui. Aujourd'hui, on voit des supporters qui critiquent Milik en se disant ouais mais bon ok, mais avec Milik c'est pas terrible, puis bon il est pas bon sur cette fin de saison, ok, mais enfin le jour où il sera plus là et qu'il plantera but sur but dans un autre club, tout le monde pleurera parce qu'en se disant on a notre grand attaquant, on l'a eu, et aujourd'hui il marque des buts ailleurs. Donc je dis complètement sous-côté à l'OM. L'OM aurait dû faire une saison autour de lui, les aléas font qu'il n'a pas fait de préparation, que Sampaoli ne croit pas, n'est pas adepte de ses qualités, donc ouais, sous-côté, c'est quand même un grand joueur, donc sous-côté c'est un des meilleurs attaquants européens.
Jack Henry-Hérault, mais c'est surcoté, c'est pas assez. Jack Henry-Hérault surcoté, c'est même pas assez. C'est carrément le pire personnage, le pire dirigeant qui soit passé à l'OM pendant que je couvrais l'OM. Alors il y en a sans doute eu d'autres dans les années précédentes. La personne la plus détestable, la plus hautaine, la plus méprisante, la plus sûre d'elle, la plus menteuse qui soit passée et avec à qui j'ai eu affaire pendant ces années où j'ai couvert. Depuis que je couvre l'OM, ça fait plus de 10 ans. Il a détruit lui-même le début du projet McCourt. Il y avait de l'argent et lui en a fait n'importe quoi. Donc c'est même pas surcoté. On devrait même plus parler de lui parce que c'est. On oublie, on tourne la page et c'est fini. Largement, mais alors largement sous-côté. On devrait lui dresser une statue devant le Vélodrome. Alors tous ceux qui disent qu'avec Didier Deschamps on s'ennuyait et qu'on prenait plus de plaisir avec Marcelo Bielsa, je les renvoie au palmarès de l'OM. Ça fait 10 ans qu'il n'est plus là et ça fait 10 ans que l'OM n'a plus de titre. Le dernier trophée soulevé par l'OM, c'était avec Didier Deschamps en 2012, la Coupe de la Ligue, et c'est tout. En 2020, c'était surcoté. En 2021, c'était surcoté. En 2022, c'est toujours surcoté, mais un peu moins. Et je dirais que dans les années à venir, ça va être coté à sa juste valeur, parce qu'aujourd'hui, je ne dis pas que l'OM est vendu, attention. Hein. Mais je ne dis pas que l'OM est vendu, mais aujourd'hui, la mariée est belle. Franck McCourt est en train de faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire redonner une belle image de l'OM. L'OM est en Ligue des Champions, le stade est plein, les droits TV sont là, il y a la CVC avec la Ligue, c'est une rentrée d'argent. Donc aujourd'hui, si Franck McCourt doit vendre, c'est dans les prochaines années, voire dans les prochains mois. Aujourd'hui, la situation est bien meilleure qu'en 2020 et 2021. Donc je dirais, c'est surcoté encore, mais ça peut changer.